Action et bien salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve pour un podcast. Donc comme je vous l'ai dit on se retrouve pour un podcast et à votre avis ça va être sur, vous l'avez vu dans le titre, mais c'était sur les profs. Et oui, parce qu'il y a encore des profs bizarres aujourd'hui. Ils ont tous une particularité et on va y voir cette vidéo. C'est parti. Alors il est vrai qu'on a souvent des profs qui se ressemblent. Alors, pour commencer, on va faire avec le prof d'histoire, qui est toujours un peu pressé, un peu... Son cours, on s'en fiche un peu, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, on est... On va dormir, enfin bon. Allez, c'est parti. Alors, l'exercice faux... Bobby, tu fais pas ton exercice? Je dis le numéro 37, pas 67. Tu le fais plus vite que ça, hein. Monsieur! Oui, je fais mon exercice 37, page 67. Oui! Alors, les enfants, voici les échanges commerciaux qu'il peut y avoir entre différents peuples, donc dans tout le monde entier, donc entre les Aztèques. Donc, comme vous pouvez le voir, au Bangladesh, donc il y a des pastèques qui sont cultivées. Bobby! Tu te fous de ma gueule, quoi? Aussi que les profs de maths, ils sont, comment dire, ils sont gentils, ils pensent pas à ce qu'ils font, mais quand ça sort, ça sort. Alors bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de maths. Alors comme je disais, on va ouvrir votre cahier à... Toi, tais-toi. Bon, votre camarade qui est pas très fut-fut, hein. Donc, je disais, vous ouvrez votre page à la au chapitre 3, qu'on est en train de faire, donc sur les triangles, équilatéraux, voilà. Vous savez plus que moi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Tu veux quoi? Je peux faire l'exercice au tableau, s'il vous plaît? Ah bah vas-y, pas de problème, vas-y. Je prends ma place. Ah, mais oui. Il n'y a pas de problème. Alors, il est assez vrai que les profs de français, donc surtout les femmes, on va dire, les dames, elles sont gentilles, mais genre, elles vous laissent toujours quasiment tout faire ce que vous voulez. Alors, par contre, faut leur parler, mais correctement, hein, je vous dis pas le galère. Oh, regarde, la nouvelle prof de français. Je vais essayer de gratter pour la toilette. Parce que l'autre ne me voulait pas, il était chiant. Vas-y, attends, je vais essayer. Bonjour, je suis la professeure Bassante. Moi, c'est Madame Gabol. Je remplace Madame Girouette. Voilà. Alors, oui, la question. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ah non, on ne parle pas comme ça. Tu dis, pouvez-vous me donner l'autorisation de partir aux urinoirs. Sinon, vous ne pouvez pas y aller. Monsieur, je me fais comprendre. Petite fille. Puis-je pouvoir aller aux toilettes, s'il vous plaît? Non! Tu me parles correctement. Moi, je te parle pas. Ouais, ça va toi, tranquille. Ouais, non, moi je dis, il faut dire, pouvez-vous me donner l'autorisation de pouvoir aller aux urinoirs? C'est clair? Je ne demande pas d'aller non plus. Répétez. Pouvez-vous me donner l'autorisation d'aller aux urinoirs? Eh ben voilà, je vous donne l'autorisation d'aller aux urinoirs. Merci! Au revoir! Et donc, voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé parce que moi j'ai... Comme ça. J'espère que le montage rendra un bon rendu.
Et n'oubliez pas qu'il y a une deuxième vidéo qui va sortir, ça va être le making of. Et là, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un... On va dire, c'est ce que vous ne voyez pas dans la vidéo. C'est tout ce qui est... je vous montre à côté. Il y a des scènes que je montre pas où je me rate ou quoi. Il y a des... Non, c'est comme un peu un bêtisier, en fait. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Et puis... Voilà. Donc, je pense que ça va rendre bien du jour. Donc, n'oubliez pas de les aimer, votre prof. Hein, c'est vos profs. Hein. Voilà. C'est grâce à eux que vous réussirez plus tard. Donc, voilà. Salut!